J'avais personne pour le mettre, ben. Aussi des sortes, on va mettre ça. Ça va alors. On verrait un bout. Ça va pas. Oui, oui. Oh ouais. Quoi qu'on puisse un petit peu mettre. Hé. Oh. C'est à toi que je parle, coup de pied. Merci. Ça fait une heure que je cherche dans tout le marché, t'étais où? Tu vas faire les courses, c'est ça? Tu vas faire quoi là? Les légumes, pourquoi faire? Faire à manger, mais tu sais pas faire à manger. Arrête les conneries, tu vas rentrer à la maison plutôt, ouais. Les enfants, j'en ai rien à foutre des enfants, c'est même pas les miens. Non, je me calmerai pas, j'en ai rien à foutre des gens. Tu vas me donner l'argent maintenant. Je viens de rencontrer une copine, je vais aller boire un verre. J'en ai rien à foutre qu'il te reste que 20 euros. Tu me les donnes maintenant. Tu te dépêches, tu ne dis pas non, s'il te plaît. Tu veux une claque là maintenant tout de suite? Il n'y a pas de problème. On y va. Donne-moi l'argent maintenant. Non, madame, c'est pas mes affaires. C'est nous qui arcanes. C'est ma femme, je vous donne l'argent. Mais oui, mais si c'est pour nourrir ses enfants, c'est pas normal, hein. C'est pas les miens. Eh ben, et alors... tu rentres à la maison, hein, tu fiasses. Voilà, ce sont des commerciales. Et alors, c'est gentil, hein, parce qu'on veut booster, pour dire voilà, il y a des problèmes. Eh ben oui, j'aurais pas pu faire ça. Merci, madame. Mais il est très gentil, vous savez. Oui, il est très gentil. Il est stylé. Ne vous inquiétez pas, madame. C'est pas Santé. On s'aime, hein. On n'est pas, pas vraiment méchants. On n'est pas des méchants, nous. Hein. On a du mal. Hein. Je suis gentil, moi. Ah, mais toi, ils vont pas vous mettre. Bonjour, monsieur. Voilà. Oh. On va mettre un kilo de pommes. Les jaunes à gueule, s'il vous plaît. C'est bon pour la compote? Les jaunes à gueule, c'est un peu ferme. C'est un peu ferme, c'est mieux, voilà, c'est mieux des boscopes. Ah, on met des boscopes alors. Oui. Pourquoi t'as pris ce marchandis? Bah parce que l'autre était pas. Un kilo alors. Ouais, c'est ça, t'as pris ce marchandis parce que tu viens faire du brinque aux jeunes. Non, mais quoi? Je suis avec monsieur. Ça fait 5 euros pour un kilo. Voilà. Et quoi, tu vas faire un buffet? Elle va faire à manger, c'est nouveau ça. T'es pas capable de faire à manger. Regarde-moi, t'es pas capable de faire à manger, ça va? Alors non, 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 arrête. Non, monsieur, vous servez rien. Tu vas me donner le pognon qui nous reste, je vais aller boire un verre avec Marie-Agnès, ok? Non, c'est la fin du mois, ouais. Je vais faire manger avant. Quoi, non? Tu la fermes, tu me donnes le pognon maintenant. J'en ai rien à foutre des gens, tu me donnes le pognon. Mais non, je dois... Donne-moi l'argent, je te dis. Je paye, monsieur, je te donnerai le reste. Arrête! Tu vas t'en ramasser une devant tout le monde! Tu me donnes. Donne-moi l'argent, espèce de connard! Et tu rentres à la maison! Ok, merci! Petite intervention dans le cadre de la campagne du ruban blanc! Voilà tout le monde, on est violent conjugal! J'ai vu, vous étiez à côté, madame, vous avez eu peur ou quoi? Oui, sincèrement, monsieur! Vous avez peur pour la dame ou vous avez eu peur pour la dame? Je vous ai trouvé tellement méchant. Je savais pas. Vous avez déjà vu des hommes comme ça? Non, monsieur. C'est quoi, méchant, non? Un peu, vous avez pris un pins, en fait. Voilà. Vous m'avez dit que la violence des femmes. Et votre homme est violent, c'est ça? Il part sans non, vous? Non, absolument pas. Je ne me laisserai pas faire. Parce qu'il y a trop de malheureux maintenant qui se laissent battre. Ah. Elle n'a qu'à prendre un beau bateau et la soumis avec. Voilà. Dis, ah. T'étais où? Les légumes. Quoi, moi, chercher des légumes? Je les cherchais partout dans le marché. Tu te fous de ma gueule ou quoi? J'allais faire les courses, j'étais juste en train de regarder. Tu vas faire les courses, qu'est-ce que tu vas acheter? Mais des légumes, mais j'étais en train de regarder avec tout le monde pour la petite. Et qu'est-ce que tu vas acheter comme légumes? Bah, des carottes, un kilo. Des carottes? Je déteste les carottes, tu le sais bien, ça fait des années qu'on est ensemble et t'achètes encore des carottes. Mais c'est pour les enfants, il faut qu'ils mangent. Pour les enfants, j'en ai rien à foutre des enfants. C'est même pas les miens d'abord. Comment ça, c'est pas. Mais si, non, c'est pas les miens, arrête de te foutre de ma gueule. Et t'as vu comment t'es sapé? On dirait une grosse vache! T'as pas honte, t'as devant tout le monde? Il te reste combien là sur toi? Il me reste juste 20 euros, c'est la fin du mois. Eh ben tu me les donnes! J'ai rencontré une copine là-bas, j'allais boire un verre. Tu me les donnes tout de suite! Mais j'ai besoin de. Quoi non? C'est
Tu la fermes. J'ai plus d'argent. Écoute. J'en ai rien à foutre. Donne-moi le pognon. Mais j'ai plus d'argent, il faut que j'achète pour manger les enfants. Et moi, je vais manger quoi? Ta gueule! Tu me donnes l'argent maintenant. Je vais boire un verre avec une copine que je viens de rencontrer. J'ai plus d'argent. T'en veux une, là, devant tout le monde? Vous pouvez pas frapper, madame. Je vais me gêner, tiens. Ah ben... Alors? Vous êtes là, hein? Depuis tout à l'heure, je te cherche, elle m'attend, là, maintenant. Mais laisse-moi faire des courses d'abord, il reste plus que 20 euros pour finir le mois, faut que je donne à manger. Tu vas pas commencer à pleurer devant tout le monde, hein? Tu vas arrêter tes niaiseries, hein? Ou je t'en colle une, là, maintenant. Arrête, arrête de me lâcher. Je te jure que tu m'en rends compte. Et dépêche-toi. Et tu rentres à la maison, tout fiasse, va. Ok, merci. C'est dans le cadre de la campagne du ruban blanc contre les violences conjugales. Vous avez déjà assisté à des scènes comme ça dans la réalité? La réalité, oui. C'est vrai? Et vous intervenez ou pas? Vous laissez un peu... Vous avez peur? Ça fait peur, hein? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous? Alerter le maximum de personnes quoi, pour les séparer. Et vous savez où on peut trouver ça, de l'aide ou de l'assistance? En téléphonant. Vous avez un numéro? Ah, vous en portez un déjà? Comme ça. Mais il y a aussi le contraire aussi, vous savez, il y a aussi les hommes battus. Rigole, on parle des femmes, mais voilà. Il y a des hommes aussi qui sont violentés par les femmes. Et t'as oublié tes courses, Joseph? Viens, t'as oublié tes courses. Mes courses? Viens. Où ça? Mais t'as déposé ton sac ici avec les courses. Hé, quand je te parle, tu m'écoutes. Allez, viens. Oui. Regarde, c'est un gros connard, quoi. La pile. Mais tu ne peux pas, c'est l'argent, c'est l'argent de la suite. J'en ai plus jusqu'à la fin du mois. Tu dis quoi? Mais je m'en fous. Ben pour les gosses, et tout ça, c'est pas mes gosses. C'est tout ce que j'ai après. Ça arrive dans une semaine. C'est où? Donne-moi les sous. Mais non. Non. Possible. Tu me files 20 euros maintenant. Tu me files. Mon Dieu, tu me donnes 20 euros. Mais tes enfants, c'est tes enfants, je m'en fous, c'est pas les miens. Je m'en fous. Allez, où sont tes 20 euros? Dis-moi ça, on trouve rien dans ton sac. Putain, allez, laisse. Allez, on trouve rien dans le sac. Bon, allez, hein. Mais. Rien que tu t'en. Enfin! Ça commence! Allez! Ça va, tu l'as trouvé là. Tu vois, t'as plus que 20 euros, menteuse! Oh. Tout le temps la même chose! Tu mens! Du respect de l'homme pour la femme! De qu'est-ce que vous voulez? Oui. De qu'est-ce que vous voulez, madame? C'est ma femme, hein? Je suis pas votre chien! Et alors, c'est pas votre chien? Mais c'est pas mon chien, mais c'est ma femme! Bon, et alors, ces 20 euros, ça vient? Franchement, est-ce que moi je me mêle de ce que vous dites à votre mari? Oui! Bravo! J'ai été prête à sauter sur sa figure. Si vous êtes contre ça, portez le petit ruban blanc. Si vous avez des amis qui parlent, il y a des gens que vous connaissez qui subissent ça, il y a le numéro d'information. On est là pour ça, on est là pour bousculer. Moi, je tremble ici. Et je me disais, personne ne va aider cette pauvre dame. Merci. Je vais aussi, madame. Ça, c'est un engagement, ça. Ah, au lieu d'une bague au doigt, ben voilà. Ça coûte moins cher. Hein. C'est encore mieux. Au moins, voilà. C'est un homme qui va promettre de ne pas me frapper un jour. Donne-moi 20 euros, s'il te plaît. Mais enfin, tu vas me donner ces 20 euros? Non, je dois faire des courses. Mais je m'en fous des courses, tu te débrouilleras. Ok, merci, voilà, c'est comédien. C'est dans le cadre de la campagne du ruban blanc pour sensibiliser contre la violence faite aux femmes. Donc voilà, c'est ce qui se passe, c'est bien, il ne faut pas laisser faire. Merci aux comédiens. Merci. Bravo, madame. Bravo. Attendez,